Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été bichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Bref, tout est en place ici et on n'attend plus que les 22 acteurs pour débuter la rencontre. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'être dans ce stade. Voilà, on y est. Début de la rencontre. Un long ballon vers l'avant. Joliment fait. Dans la profondeur. Il tire. Oh, dommage, c'était une bonne passe. Ils ont bien exploité l'espace derrière la défense avec cette balle piquée. Ils ont manqué de chance sur le dernier geste. Philippe Coutinho. Oh, il a bien vu son coéquipier. La République tchèque adopte une tactique bien connue. Ah oui, dites-nous tout, Darrel. Ils essaient d'écarter le jeu au maximum et d'utiliser toute la largeur du terrain. Ça va créer des espaces, Grégoire, forcément. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. La République tchèque qui peut avancer. Allez. Paulinho qui cherche la faille. Pour trouver la faille dans la défense. Maintenant, le sang. Et la tête. Oh, et la transversale qui vient l'aider. Danger repoussé pour le moment. Paulinho qui cherche à construire. Bien tenté. Ils s'en sortent. Le Brésil qui récupère ce ballon. Oh, le duel. Il s'est peut-être un peu emballé sur ce coup. Paulinho qui perd l'équilibre. Marquinhos. Quelle passe. Bonne lecture de la trajectoire. Un but maintenant, ça serait pas mal. Le long dégagement du gardien. Marquinhos qui interrompt cette longue séquence. Bien joué. William. Chic. C'est joué long, attention. Allez, tout seul. Il est passé. Allez, jusqu'au bout. Bien repoussé par le gardien. Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Oh, le coup de tête. Oh, le capitaine. Juste avant la pause. Le capitaine choisit le bon moment pour ouvrir le score. Oui, ça fait toujours du bien de rejoindre les vestiaires avec un petit but en poche. Très bon corner et évidemment il en a profité. Voilà, ça c'est une tête, un peu de sang-froid, une bonne dose de conviction et ça nous donne un but. C'est la fin de la première période, certains joueurs ont l'air fatigués, la pause va leur faire du bien. 45 minutes sont passées, un seul but marqué, on va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Oui, l'entraîneur va peut-être se poser des questions pendant la pause, il faut surtout que ses joueurs s'appliquent, qu'ils soient plus concentrés. Et c'est le coup d'envoi, encore 45 minutes. Le Brésil n'a aucune raison de paniquer. Il reste quand même 45 minutes pour jouer, pour revenir dans cette rencontre. Il joue dans l'espace. Ça sent la frappe. Et le centre bien. Allez, la tête. Oh non, sa tête n'est pas cadrée. Oh, franchement, c'était pas le plus dur à mettre celui-là. Il en a marqué des beaucoup plus difficiles. Quel mauvais choix.
est tombé sur plus fort que lui. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il glisse le ballon en profondeur. Une nouvelle touche. Ça n'a pas pu aller plus loin. Le bon dribble. La passe dans la profondeur. On dirait qu'il se méfie de la vitesse des attaquants adverses. Et c'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing, à votre avis? Oui, parce qu'une petite passe en profondeur peut faire beaucoup de mal. Il voit sa passe interceptée. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier, là, juste avant la passe. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est bien donné. La passe dans la profondeur. Coup de sifflet, hors jeu. Il est quasiment sur la même ligne. Ça ne s'est pas joué à grand chose. Succi. Pour trouver la faille dans la défense. Bien servi. Il va se planter seul. Faut frapper là. La défense est en sursis. Ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. C'est joué long. Attention. Dans le dos. Ce contre peut très bien aller au bout. Chic. Ils cherchent à tuer le match, c'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. Il écarte, ça joue long. Oh, pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Ils n'ont peut-être pas dit leur dernier mot. Gabriel Jesus. Oh, le bon Coutinho! Oh, quel bel arrêt! Oui, quelle intervention! Honnêtement, moi, je la voyais dedans. Et l'arbitre siffle la fin du match. Oh, ça s'est joué à pas grand-chose. Ils auraient pu gagner, mais ils s'inclinent sur la plus petite des marges. Oui, ils ont fait beaucoup d'efforts pour revenir dans le match, malgré le but encaissé. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça n'a pas suffi.